Bien le bonjour à tous et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de notre Let's Play avec Hogwarts Legacy. Nous sommes repartis avec Allison Vancraft et nous devons aller vers notre prochaine quête. Je sais pas du tout ce que je fais là. Oh, on est dans les toilettes. Extraordinaire, mes chers naufragés d'internet. Là où il y avait la chambre des secrets. Et bah d'ailleurs elle est là, la chambre des secrets. Elle est juste ici. Ouh! Explosion! Explosion de toilette! Elle est juste ici, là. La chambre des secrets. Et personne ne sait encore qu'elle est là, puisque Mi-Géniard n'est pas encore morte. Bon, on va peut-être sortir des toilettes, parce que c'est marrant deux secondes. Ah, oh, mais se balader dans ce château. Je m'en lasserai jamais, mes chers naufragés d'internet. Jamais, jamais. I'm loving it. Ta-da-ta-ta-ta. Oh my god. Et vous saviez que I'm loving it. Ta-da-ta-ta-ta. Donc le slogan de McDonald's, c'est avec la chanson de Justin Timberlake qui fait I'm loving it et il chante na-na-na-na-na. I'm loving it. Dire que McDo a pompé une chanson de Justin Timberlake pour leur slogan, c'est quand même incroyable. Vous trouvez pas? On a encore 500 mètres. Oh là là, misère. Bon, au moins on peut profiter du paysage. Et on récupère les pierres de lune au passage. Ça fait toujours plaisir. Nati, elle est au bout du monde. Après 350 millions de mètres, j'arrive. Oh, il y a des petites poules. Les petites poules. Je devrais regarder ça de plus près. Les petites poules, 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 poules. Moi je vous dis, avec tout le sport qu'elle fait là, ça perd des calories hein, d'aller faire des quêtes à Poudlard. Elle a fait 1 km en marchant quand même, enfin en courant. C'est un truc de malade. Je me demande qui y vit. Je sais pas qui y vit. On va voir Nati. Ah, elle a popé. Quel plaisir de te voir ici. Bah merci. Quel Salut, plaisir Nati. De te voir aussi Nati. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Mais pour non, l'instant, tout va pas. Bien. Sans indiscrétion, je suis pourquoi sont-ils à ta recherche? Je suis le perso principal, donc il peut rien m'arriver. Même quand je meurs, je revis. Ils veulent quelque chose que j'ai trouvé, je n'en sais trop rien. Non, on va je pas ne te connais mettre dans ni Rockwood ni Harlow. On va pas te mettre dans ils la me confidence. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à une élève de Poudlard? Ah, mais moi je le mais sais, quoi mais je vais qu'il pas en te soit, dire, hein. Tu étais clairement en danger. Oui. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. Oui, madame. C'est pour ça que je voulais te parler. Oui, tout le madame. Monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, inoubliable. Ouais, vous m'avez m'a donné le courage miches. De défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Nous non plus. Tant mieux. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec un Rock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on ouais, en croit mais la nous rumeur, deux, on va pas le faire. Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Windham. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. Oui, bah j'ai normal. Entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. Ça marche. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, mais j'aurais pas Nati. Besoin de toi, Nati. Merci beaucoup. Tu passais par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Ah, c'est Nora. Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Oui, mais non, un pas moi. Élève, tu n'es pas certain. J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Comment j'arrive? Laissez-la tranquille.
Permets-moi de l'aider. Ok, hop là, hop là. C'est le meilleur moyen de tuer. Regarde ce que tu as. Allez, ça, ça dégage. Où est-ce qu'il je est l'autre? Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Oh là là, ta voix, madame, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je n'irai nulle part avec. Oh, je l'ai transformé en. Je l'ai transformé en patatose. Quoi? Allez. Ouais, non, tu m'as pas eu, frérot. Allez, Insane Joe, ça va faire du bien, ça. J'ai le vertige. Allez. Dégage, dégage, mon petit. Allez, Insane Joe. Allez, ça, ça dégage. Il y en a encore d'autres. Qui veut m'attaquer maintenant? Alors. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Mais t'es où, Nora? Tu me parles, mais je sais pas où t'es. T'es où, Nora? T'es où, Nora? Mais elle me parle. Ah voilà, elle est là. Je la trouvais pas. Est-ce que ça va? Oui. Grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Mais merci. Pourquoi beaucoup. Ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Ah, mais ça. Cendres, la petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est oui, une mais ça... longue histoire. Mais merci pour votre aide. Eh bien, on va les vous défoncer les serpents cendres. Pour le moment, Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Ça marche. Où est Priya? Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. Ah bah on c'est va y aller. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. On va aller voir votre épouse. C'est parti. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service. Historienne et mais archéologue, bonjour, Nora. Grande je spécialiste suis enchantée. De Merlin. Enchantée, madame. De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je ça, m'intéresse c'est vraiment à d'étranges drôle, ça, Merlin installations a étudié à Poudlard. Qu'il aurait laissé là, il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? Les épreuves de Merlin. De les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créés pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Mais moi, je n'aime pas les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Est-ce que personne je mérite que tu me dises un secret? Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. Ça marche, on va en chercher. Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. T'inquiète pas, on va gérer, on va aller chercher. Quand j'ai été si grossièrement interrompue machin truc là. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Mais bien sûr, madame. Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Oui, ce coffre, oui, servez-vous ouvre-le. Généreusement, même si vous en avez déjà. Oui, ben, j'ai j'y vais, j'y vais. Ok. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Mm-hmm. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre, et nous verrons bien ce qu'il se passe. Voilà, on va mettre la mauve douce sur la pierre comme... Une... Ah oui, d'accord. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Disparu! Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Réussir l'épreuve de Merlin. Les vieux sauts! Peut-être qu'un sortilège pourrait nous aider. Bah oui, mais quel sortilège, la boulasse!
Incendio! Les flammes font sombrer le bûcher. Allez, on brûle. On brûle tout. Par la base magnifique. De Merlin, c'est magnifique. Quelle journée. Voilà, l'énigme est terminée. Je n'en reviens pas. J'en déduis. Nous avons terminé l'énigme, madame. En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, Winda. Libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Plaisir partagé, madame. Allez. Et bien attention, surtout. Oui, oui, maintenant on fait que attention. J'ai ce qu'il me faut. Nouvelle quête disponible. Prisonnier de l'amour. Ah bah, on est reparti pour aller au château. I am dans l'eau. Qu'est-ce que vous mijotez? Voilà. Bah, je fouille. Je te pille, madame. Voilà ce que je mijote. Je veux me téléporter. Allez, je peux voyager. Parce que de faire 300 km, là, ça va. Hein. Allons parler au portrait. Et on descend les escaliers, D'abord, on va manger une petite pomme. Allez. Ça va nous remettre. Parce qu'elle mange quand même pas beaucoup, hein, cette petite Allison. Hein. Elle doit être en hypoglycémie à force de courir dans tous les sens sans rien manger. Ok, en plus elle dort pas beaucoup. Ah, nous voilà dans la salle commune. Nous voilà chez nous. Bonjour, bonjour. Vous vouliez me voir, monsieur? En effet, permettez-moi de me présenter. Peu d'élèves savent qui je suis. Bonjour Eldritch. Eldritch Diggory. Ancien ministre de la magie et fondateur du programme de recrutement des aurores. Enchanté. Je pense même. Que vous pourriez nous aider à résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies grâce au livre que vous avez trouvé et à ses pages manquantes. Oui, monsieur. Comment savez-vous pour le livre et pour les pages? Nous autres, portraits, entendons bien des choses et la plupart d'entre nous savent garder un secret. Alors, qu'en dites-vous? Une pouffe souffle doit se sentir le devoir de corriger une injustice qui perdure depuis bien si longtemps. Bien sûr, nous on est la bonne poire. Je ferai mon possible. Merveilleux. Merci, monsieur. Je suis ravi de ne m'être pas trompé à votre sujet. Bah non, je suis incroyable. Ma petite nièce, Hélène Thistlewood, vous fournira tous les détails. Elle est désormais retraitée, mais c'était une incroyable aurore de son temps. Pas de problème, monsieur. Elle était d'ailleurs chargée de ce meurtre non élucidé. On va résoudre le meurtre. Je vous visite à mon portrait chez elle, dans le petit hameau de Campolar en haut. Dois-je lui annoncer votre venue? J'y vais de ce pas. Je vais aller la voir tout de suite. Super. Votre Allez, à bientôt, monsieur. À sa vivacité monsieur Diggory. Sauront lever le voile sur ces deux mystères, j'en suis persuadé. Très bien, allons résoudre un meurtre. Très vite, je l'espère. D'abord, un petit peu de gâteau. Oh là là, la part de gâteau. Ils auraient pu faire une part de gâteau un peu moins énorme. Réveillon. Oh là là, 1180. On va prendre une fumée de cheminette. Au mieux, c'est ici que je peux aller voyager. Et il reste encore 500 mètres maqué. Bon, on peut pas faire un petit tour à la boutique. On peut pas aller au magasin de farce et attrape. Ah, voilà le magasin de farce et attrape. Magnifique. Voilà, on s'amuse un petit peu. Ça fait du bien. Il ressemble à Scrooge, lui. Ah, c'est cool. C'est cool, ça. Rigoler un petit peu. Par contre, tu pourrais aller un peu plus vite à Lille, parce que... Avec ta... Ta nullité, là. Ah, c'est génial. C'est génial. Bon. C'est pas que, mais... on a des missions à faire. Réveillon. Révèle-moi.
Révèle-moi ce que tu ne sais pas. Par contre, la musique, elle est un tout petit peu répétitive. C'est long, cette affaire, c'est long. Quelqu'un est là. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Allez, mais vraiment, allez. Allez, voilà. Brûle Babylone, comme dirait mon... Allez, toi, tu dégages aussi. Hop là. Pas là. Hop là. Je ne m'arrêterai pas avant de sortir. Bah moi non plus, frérot. Attends, frérot. Frérot, j'aimerais bien que tu arrêtes de me balancer, s'il te plaît. Ouch. Mais frérot, c'est pas là que je veux. Quand même. Oui, je vous saute dessus, monsieur. Allez, on arrive enfin, au bout de 10 minutes de marche. Vous avez suivi mon conseil. Voilà, bonjour Madame Hélène. Madame Thistlewood, j'ai parlé au portrait de votre grand-oncle dans ma salle commune. C'est lui qui m'envoie. Je suis contente de vous voir. L'oncle Eldritch pense que le livre que vous avez trouvé et ses pages manquantes ont un lien avec une affaire non résolue de ma carrière d'aurore. Très bien, je vous écoute. Il y a quelques décennies, un élève du nom de Richard Shuka a disparu après être parti rejoindre une fille, Anne. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lorsque son fantôme sans tête est brièvement apparu après Olar, sans vraiment savoir comment il était mort, Anne a été condamnée pour son meurtre et envoyée à Azkaban. C'était en grande partie à cause du témoignage d'une fille appelée Apollonia Black. Je crois qu'elle était jalouse d'Anne. C'est terrible. Bah, ça m'étonne pas, la jalousie, ça fait des trucs horribles. L'alibi d'Anne était pour le moins... dédaléen. Elle a dit que Shuka lui avait promis une aventure. Il comptait suivre une carte qu'il avait trouvée sur des pages dérobées à Peeves. Et vous pensez que Peeves a arraché les pages du livre que j'ai trouvé dans la réserve ? Si l'on en croit mon grand-oncle, oui. Bah oui, enfin, Peeves, il fait toujours n'importe quoi. Du moins, c'est ce que pensent les portraits de Poudlard. Anne a insisté sur le fait que Shuka lui avait demandé de suivre la carte avec lui, mais seulement une fois qu'elle aurait réussi à résoudre des énigmes qu'il avait préparées pour l'occasion. Étrange façon de faire la cour à une fille. Elle jure n'avoir jamais résolu la moindre énigme et ne pas l'avoir rejoint. Le fantôme de Shuka a disparu presque immédiatement après son apparition. Mais t'inquiète pas, on va le retrouver. Les pages et la dépouille de Shuka n'ont jamais refait surface. Et Anne a été envoyée à Azkaban sur la seule base du témoignage fallacieux d'Apollonia. Ah, mais quand on n'a pas de preuve, qu'on n'a qu'un témoignage, il ne faut pas mettre les gens en prison. Hein. Depuis tout ce temps, je pense qu'Anne a résolu la... Il faut avoir des preuves, hein, messieurs, dames. Mais après toutes ces années passées à Azkaban, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle refuse de parler aux personnes auxquelles elle ne fait pas confiance. Et elle ne fait confiance à personne. Peut-être que... Normal. Si vous alliez parler à Anne... Elle a été condamnée pour un meurtre qu'elle n'a pas connu. En tant qu'élève et en connaissance des pages de Shuka... Elle vous révélerait d'autres informations. Oh, quelle histoire horrible. Si vous pensez que je peux l'aider, j'irai avec vous. C'est parti. C'est une merveilleuse nouvelle. Votre gentillesse et votre courage sont tout à fait louables. Il faut le dire. Merci beaucoup. Être une aurore à la retraite a bien des avantages. Par contre, le courage, pas trop. Nous pouvons transplaner juste devant vous. La gentillesse, oui. J'ai escorté des ministres, des professeurs et bien d'autres dans cet endroit maudit. Jamais d'élèves, je l'admets. Mais je vous protégerai. Ah bah si tu me protèges. Très bien. Autant allons-y. Que mi figue mi raisin, nous allons transplaner ensemble. Pas d'inquiétude. C'est parti. Je n'ai jamais désarticulé personne. Prenez soin de vous surtout. Et faites bien attention dans cet horrible endroit. Ça marche. Nous serons très vite sur place. Allez, transplane Ali, transplane. Nous voilà dans ce sanctuaire de la mort. Avec des détraqueurs, bien sûr. Nous sommes à Azkaban. Nous allons récupérer Anne.
patronum. Le petit lapin qui sauve tout le monde. Allez, salut. Au revoir, les détraqueurs. Cela devrait les tenir à distance pour l'instant. Mais prends garde, tu pourrais être submergé par le désespoir. Cela passera. Merci de me prévenir. T'inquiète pas, on va gérer. Cet endroit est lugubre. Mais nous ne nous y attarderons pas. Allons, suivez-moi. Oui, je vous suis, madame. Ce n'est pas le moment de musarder. Ah, bah oui, mais... Je n'aurais jamais imaginé entrer dans Azkaban un jour. Bah, je te suis. Même moi, je n'ai pas réussi à convaincre le ministère de les renvoyer. Attention, nul besoin de tels monstres. Il est ici depuis bien plus longtemps que... Bah oui, bah lance en Doloris, vas-y. Vous ne me faites pas peur, jeune roquet. On vous enseigne si peu ce que vous devriez savoir à poule. La sorcière qui t'accompagne a une aura très sombre, je le sens. Mais oui, tu peux parler, tu peux parler. Bon, ça serait bien qu'on puisse avancer un peu plus vite là, parce qu'on est quand même à Azkaban. Personne ne va me croire à l'école. Rappelez-vous d'une chose. Anne est ici depuis longtemps et les détraqueurs n'ont aucune pitié. Vous allez devoir t'inquiète faire pas, preuve je vais lui parler à Anne. De douceur. Comment est-ce que je fais pour parler à Anne? Êtes-vous Anne? Qui est là? Qui est là? Qui me parle? Est-ce la mort? Non, je ne suis pas la mort, je suis Alison. Délivrée. Je suis élève à Poudlard. J'ai trouvé le livre censé vous innocenter. Ah, le livre, le livre! Personne n'a voulu la chercher. La pauvre, elle a perdu la tête, c'est normal. Hein. Les pages. De passer, je sais pas, combien 50 ans dans une prison comme dans Azkaban, sa grotte, il scelle mon destin à Camp Polar en haut. Vous dites que les pages manquantes sont dans une grotte, près de Camp Polar en haut? Quand l'art les ruines cachent un caveau. On ne peut plus rien faire pour elle. Hein. Même ruines, si elle sort, elle ne saura jamais près de vivre. Camp Polar en haut. J'imagine que ça vaut le coup d'aller voir. Risque rien, risque rien. Allez chercher les pages de votre livre. Hélène, Hélène, je sais que vous êtes ici. Approchez, je vous prie. Elle fait de la peine, ah non? Qu'y a-t-il, Anne? Elle a perdu la tête, hein. Elle a pas perdu que la tête, malheureusement. Elle a tout perdu. Maqué. Vous êtes blessé? Vite, la caverne. Tout ira bien. C'est à vous de jouer, maintenant. Je vais me rétablir dès que... Elle a même pas eu le temps de finir sa phrase. Bon, j'espère qu'on n'est pas à 2000 km, hein. Nous doit voilà être dans la grotte. Dont m'a parlé Anne. Ah, je crois que j'ai compris. On ne m'arrête pas comme ça, Shuka. Bien. Où se trouve la preuve que vous avez laissée? Elle se trouve ici, juste là. Voilà. Ma très chère Anne, bravo, tu as résolu mon énigme. Je savais bien que tu étais mon âme sœur et la seule avec qui je pouvais partager mes aventures. Sauf que je ne suis pas ton âme sœur. Rejoins-moi à la lisière de la forêt interdite dès que tu pourras. Je te montrerai la carte dont je t'ai parlé. Ok. Ah, voilà Monsieur Choukas. Serait-ce possible? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Mais oui. Je vous félicite. Enfin. Richard Shuka, pour vous servir. Richard Shuka? On m'a dit que vous aviez disparu il y a des années. Vous me devez des explications. Vraiment? C'est mon énigme que vous avez résolue. Que faites-vous ici? Hélène Thistlewood, une aurore à la retraite, m'a parlé d'une carte que vous avez dérobée à Peeves. Ensuite, Anne a évoqué une grotte. Vous avez vu Anne? Elle m'a brisé le cœur. J'ai dû continuer sans elle. Elle a fait le bon choix, finalement. Oserais-je vous demander comment elle va? Elle a été emprisonnée à Azkaban pour votre meurtre. Je crains que les détraqueurs ne lui aient causé des dégâts irréversibles. Pardon? Azkaban?
Oh, pauvre Anne. Je n'en savais rien. Bah oui, mais t'avais qu'à te manifester avant, hein. J'ai voyagé dans le monde entier pour réparer mon cœur. Je ne suis revenu que récemment. Sur un coup de tête. Bah bravo. Je dois parler à l'Aurore que vous avez mentionnée pour voir si je peux aider Anne. Excellent. Avant que vous ne partiez, pouvez-vous me dire si je peux encore trouver les pages contenant la carte mentionnée par Hélène ? Je suis à peu près sûr de les avoir lâchées dans la grotte quand j'ai perdu la tête. Elles doivent être en train de moisir à côté de mes restes. Je vais vous dire. Retrouvez-moi à la lisière de la forêt interdite et je vous emmènerai là où elles se trouvent. Merci. Je dois trouver ces pages pour aider un ami. Je vous retrouverai là-bas. Mes chers naufragés d'Internet, nous aurons la suite à l'épisode 6. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve samedi. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alivi pour vous servir.